Bonjour, nouveau vlog. Je sais, vous êtes en train de vous dire, c'est quoi cette belle chevelure? Moi, je viens de me les laver avec mon nouveau rituel. C'est pas un partenariat, hein, c'est ce que je vous ai montré dans le dernier vlog. Franchement, là, rien que là, je les trouve très très beaux. Aujourd'hui, bon, j'ai commencé à regarder pour faire ma recette, et je vous ai écouté, vu que vous m'avez dit, Caro, essaie de faire une recette maintenant avec vraiment le livret qui est fourni dans le petit cuiseur. Donc j'ai regardé, il y avait des trucs qui n'étaient pas clairs, donc je vous ai demandé sur Insta, et ça c'est vachement cool parce que j'ai eu ma réponse. Donc là, on va aller à Leclerc, il est midi, donc ça c'est l'heure parfaite pour faire tes courses, t'as pas grand monde. Ensuite, si vous vous demandez comment je vais, alors ça va un peu mieux, je fais doucement les mouvements, je sens. J'ai pris ma tension, parce que oui, j'ai un tensiomètre à la maison qui n'est pas à la base pour moi, mais il y en a un, je le vise, 10. 10 de tension pour moi, c'est léger, c'est quand même léger, c'est pour ça que ça tangue. T'as des gens qui vivent très bien d'être à 10 toute l'année, moi pas du tout. Ma tension c'est 12 et quelques, enfin normalement, là où je me sens bien. Mais en ce moment, depuis des mois et des mois, je suis entre 10 et 11 et bof quoi. Oh, je dis que c'est la bonne heure, Leclerc. Tu veux faire comme ça ou comme ça? C'est pas comme ça, ouais. Bon, peu importe, prends celui-là, ouais, celui-là, on va tester. Celui-ci aussi, plus de graines, je sais pas. Comme tu veux. Sans sucre ajouté. Il y a celui-là aussi. Ah bah tiens, oui, on va se faire les burgers, c'était super bon. Ok, on tente celui-là aussi. Ce que j'apprécie à Leclerc, c'est que regardez, par exemple là, on voit directement les Nutri-Score. C'est beaucoup plus clair que quand tu vas chez Lidl, c'est mis à plat et bah tu perds du temps, tout simplement. Obligé d'acheter un vrai coca et d'en boire. J'ai pris une petite bouteille, je la bois direct, ça tourne. On a fait un énorme plein de courses. Et je sais qu'à chaque fois, vous me dites, mais si, Caro, entre nous. Moi, je pensais que bof, bof, les retours de courses. Enfin, vous montrez les courses en général. Et visiblement, à chaque fois, vous aimez bien. Donc, en plus, là, on a pris plein de choses quand même correctes. Enfin, quand je dis correctes, saines. Des choses que... Des nouveautés aussi. De quoi faire également la recette, évidemment. Je me suis pris du coca. J'ai même bu un coca là-bas parce que je sentais que... Fallait un petit peu de glucose, un petit shoot là. Vu l'ampleur des courses, le mieux c'est de tout mettre on the table et vous montrer après. On va déjà ranger ça. Je suis passée à l'épart. Je suis d'habitude, je prends de l'Evian. Mais comme ça, je ne vais pas prendre que de l'Evian. Je sais que cette eau a beaucoup de magnésium. Ça peut être pas mal. Les surgelés, parce que je vais les ranger. On n'a pris que ça. Je suis passée à cette pizza, donc B. C'est ce qu'il y avait de mieux. Et lui, Eric, j'ai quand même un doute. Apparemment, c'est A. Alors, ça m'étonne toujours parce que quand tu vois la compo avec la crème et tout. Bon, pourquoi pas. Eric a commencé à prendre plein de sachets comme ça. C'est moi d'habitude qui prends ça. Tu me disais oui, et là, il en a... Pourquoi t'en as pris plein de comme ça? Pour manger, pour moi. Mais tu mangeais pas ça avant. Ben non. Mais c'est drôle, c'est bien. Donc je suppose que t'as regardé, c'est que des Nutri-Score A. Pruneau, non mais depuis quand tu manges des pruneaux, toi? Teriyaki, ça a l'air pas mal, hein. Légumes, gingembre, pas de taille, citron, coriandre. J'ai décidé d'enlever toute la viande le midi. Mais c'est très bien, c'est très très et bien. Et le maximum le soir. J'ai pris des courgettes. Mais il faut manger un peu de viande de temps en temps quand même. Tout à fait. Je suis pas devenue vegan. Je peux... C'est bon? Moi je pensais que c'était intéressant ce que... Mais carrément. Alors, ça c'est végétal, c'est pour la recette. Les pommes de terre aussi, des extra fermes. Du vin blanc pareil, c'est du vin blanc pour faire des... Spécial cuisine. Spécial cuisine. Mmh. Ouais, alors les portions c'est 25 centilitres. Super. Soit 250. Millilitres. Ensuite, des oignons, ça parce que l'enfant on les a testés, c'est super bon hein, pour faire des petits burgers. Bah, tu les as pas trouvés? Ah si. Non mais j'en ai acheté aussi des gourmands. On fait les burgers avec ça, c'est super bon. J'ai fait aussi des gourmands. Oui, ceux-là ils sont bons aussi, les petits végétales, très bien. C'est déjà tous des végétaux. Oui. Ensuite, blanc de dinde et mes Barilla. Exceptionnel celle-ci, les numéros 5 et les 7, ce sont mes préférés. Des bananes, des kiwis, les fameux Hypro, plein de protéines, magnésium et compagnie. Des avocats, ça c'est pour les petits encas. Toujours du chèvre parce que en plus j'ai repris pour faire mes salades des endives. J'ai du mal à parler. Du gingembre, faudrait toujours avoir du gingembre, ça fait vraiment du bien quand t'es barbouillé ou t'as un petit coup de mou. Gingembre frais, des figues. Que je vais mettre avec ma salade d'endives, de chèvre et de noix. J'ai pris quoi? Bon, ben ça, c'est de l'eau micellaire. Des betteraves. Pareil, j'aime bien. Et puis, je crois qu'on est pas mal. Ah, taper celui-là aussi. L'escalope. D'accord. Ça décoiffe d'aller chez Leclerc. Il n'y a plus qu'à ranger. Et après, on mange parce qu'il est quelle heure? Il est 13h35. Ah oui, tu m'étonnes. Ouais, il est temps de manger.
Ah si, j'ai oublié de vous dire, j'ai pris ça. Très intéressant, le tofu. Chavroux, parce qu'on en prend quand même énormément. Enfin, on en consomme beaucoup, ça part vite, c'est le format familial. Et ce que j'ai oublié de vous montrer, parce qu'ils sont super bien notés, extrêmement bons, c'est les petites compotes de la marque Douceur du Verger. Pomme, poire. Cette fois-ci, j'arrête. Va te coiffer, Caro. Nous sommes le même jour, hein. C'est juste que j'ai fait une tâche, donc j'ai dû me changer. Je suis très contente. Il est 5h40, j'ai bien bossé. Et surtout, j'ai enfin le dernier article pour la box de Noël. Il me manquait quelque chose, je cherchais quelque chose d'assez précis et je l'ai trouvé. On a parlé avec la marque, on a vu sur les prix et ça va le faire. Il y a de grandes, grandes chances que ça le fasse. Je suis trop contente, cette box de Noël va être fabuleuse. Je suis refaite. Donc tout fonctionne bien. Ça c'est cool. Je vous dis, ouais, il est 5h40, Eric est parti voir un ami pas loin qui exposait, je vous avais déjà montré qu'il fait des collages, des découpages. Mais vu que moi j'ai encore 2-3 rendez-vous, c'est pas possible. Mais je crois qu'il expose pendant plusieurs jours, donc peut-être j'y retournerai à l'occasion. Ouais, donc ça me met en joie ce truc. Par contre, je sens que j'arrête, je vais arrêter. Et les écrans, et le téléphone et tout ça, je suis crevée. Ça repart, mais en fait, il faut que j'y aille vraiment plus calme. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais quand j'étais... Non, je vous ai pas dit... Je crois que j'ai filmé un moment, mais je ne sais pas si je l'ai mis à Leclerc, j'étais avec Eric, et à un moment donné, je lui prends le bras, je lui fais « va pas trop vite, je suis pas bien ». Je commence à avoir la tête qui tourne, bon, en plus avec le masque, la chaleur, parce que mine de rien, au début, il n'y avait personne, comme je vous ai montré, mais après, il y a eu foule. Il me dit « attends, bouge pas », il est allé m'acheter une bouteille de coca, du vrai sucre. J'ai été me cacher dans un petit coin, je l'ai bu 3-4 gorgées, et c'est vrai que ça m'a fait du bien, mais laisse tomber. Comme quoi, je suis pas complètement en forme. Bref, ma journée est quasiment finie, il est presque 6h, je vais arrêter là, c'est pas grave, je reprendrai demain, je préfère faire un petit peu tous les jours, mais me dire que je suis un petit peu en convalescence, voilà, même si je suis pas malade, hein. Mais c'est juste que voilà, des fois il faut écouter son corps te dit vas-y mollo, bah vas-y mollo, c'est tout. Bah, finalement, je suis venue à l'expression, en plus il y a plein d'amis. Ils sont là, on est en train de boire une petite flûte de champagne, moi qui avais dit calme, mais bon, franchement c'est super joli, je vais vous montrer un petit peu. Je vous ai déjà montré en fait ce qu'ils faisaient, je vous ai dit des découpages, collages. C'est très beau, c'est un univers particulier, c'est marré, c'est très, très intéressant. Est-ce que ça va bien rendre? Je sais pas trop. Vous vous souvenez, je vous avais déjà montré, donc ça c'est des collages. On va aller manger une petite pizza après le vernissage. On est parti avec les amis. J'ai les joues un peu rouges. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Poussez-vous, je ne vois rien. Ah, regarde Aurélien. Ah, bah oui, en plein centre-ville. Pourquoi pas? Oui, mais ils expliquent. Salut, bébé. Salut. C'est quoi que je disais déjà hier? Faut écouter son corps. Son corps te dit vas-y, mollo. Bah, vas-y, mollo. C'est tout. Non mais franchement, soirée au top. On s'est pas couché en plus hyper tard après la pizzeria, mais souvent, les soirées comme ça qui sont pas prévues, tu passes de très bonnes soirées parce que t'as pas eu le temps d'imaginer, ou d'être déçu, quoi, parce que des choses ne sont pas passées. Franchement, c'était hyper bien. La pizza, j'avais oublié le goût des vraies pizzas, parce que bah, moi je pense souvent les surgelées ou alors d'autres, mais c'est pas de la vraie pâte. Oh, la régalade, c'était hyper bon. Aujourd'hui, bah là, je suis en mode pilou-pilou, parce que j'étais pas trop dans l'optique aujourd'hui de faire quoi que ce soit, mais j'ai quand même cette petite recette, donc si je décide de tourner aujourd'hui, je vais me changer, forcément. Les clics-clics, c'est Eric. Il est sur circuit, il s'entraîne.
Et si c'est pas aujourd'hui que je tourne, bah c'est pas grave, ça sera demain. C'est pas bien gênant, de toute façon les aliments ne vont pas se perdre. Par contre, c'est bien possible qu'aujourd'hui on bouge, hein. Il fait beau. Je vais faire un petit coucou à Jack, je pense qu'il m'a déjà repéré. Attendez, je vais zoomer déjà, je présume parce que je sens. Il doit pas être bien loin, attention, il doit être sur sa couverture. T'as repéré ta mère? Attends, comment ça se fait? Je zoome là. Pardon. Ah, là, c'est reparti. En mode séduction. Tu le sais que maman est craque quand tu fais ça. Il est hyper doux, son poil. Il est beau. Oh, il est beau ton poil, mon Jackie. Oui, tu le sais qu'on parle de ton poil. Tu le sais? Ah non, par contre, non. Ah non, ah non. Je crois que t'as déjà assez... ça va, hein, au niveau du canapé abîmé. Je suis cool, mais quand même, hein. Non. Faut respecter un minimum ta mère et les choses de la maison. Quelle heure est-il avec tout ça? Ah, quand même, oh, bon cadrage. Midi 56. Est-ce qu'il serait pas l'heure de manger, mon Jackie? Enfin, pas toi, mais moi. J'ai envie de me faire des féculents, enfin, des pâtes, quoi. Ouais, ah, bah si, je vais me faire ma pasta box là. Ça, c'est bon, ça. Ah, nickel. Et puis, après, faut que je fasse le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Pourquoi? C'est hyper zoomé. C'était pour le chat, peut-être. Ah non, on va éviter de zoomer sur tous les lendemains de fête. Je vous ai dit ou pas? Je ne me suis pas couchée non plus hyper tard. Hein. On est rentré, on s'est maté la série, j'adore. On regarde série sur Netflix, c'est The Sinner. J'avais déjà vu la saison 1 il y a un moment, il y a peut-être un an, où... et on avait arrêté. Et là, on a enchaîné, on est sur la saison 3. J'aime bien cette ambiance. C'est une ambiance particulière. On est sur du thriller, sur du policier, un peu sombre. D'ailleurs, il y a un traitement de l'image qui est particulier aussi. Mais ouais, vraiment bien. Si vous aimez les polars, foncez. Elle est hyper bonne, hein. Toute simple. Bah, toujours chèvre, hein. Tain, décidément. Sauce à la tomate. Tu t'arrêtes? Non, non, non. C'est pas pour toi, mon Jackie. J'ai sorti mon poncho parce que bah, on va bouger, comme je vous ai dit. On s'est donné 2h30 maximum pour partir, le temps que je fasse le montage de ce vlog, parce qu'après, je pense qu'à 5h30, la lumière, ça va pas être ça, mais il fait tellement beau, le ciel est bleu, je pense qu'il caille, mais je m'en fous un peu, parce que j'ai mis ça, vous savez, c'est ce maillot de corps qui est hyper chaud, que je mettais quand je faisais mon sport du matin, je ne fais plus d'ailleurs, et je pense qu'on va se retrouver la prochaine vidéo, bah, pour la recette. Voilà, bon, bisous à tous et merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ciao.